Generali, partner di vita. In Eni oggi coltiviamo delle microalghe che catturano anidride carbonica. Ma non basta. Abbiamo bisogno di Lorenzo, che riutilizza gli oggetti per creare qualcosa di nuovo. Eni più Lorenzo è meglio di Eni. Insieme abbiamo un'altra energia. Generali, partner di vita. In Eni oggi coltiviamo delle microalghe che catturano anidride carbonica. Ma non basta, abbiamo bisogno di Lorenzo, che riutilizza gli oggetti per creare qualcosa di nuovo. Eni più Lorenzo è meglio di Eni. Insieme abbiamo un'altra energia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Bonjour, bonjour à tous. Depuis le meeting de Rimini, on est aujourd'hui au avant-dernier jour de cette édition spéciale. Je suis Elisabeth Soglio, responsable de la revue Bonne Nouvelle, magazine de Corriere della Sera, qui essaie de valoriser les bonnes pratiques du pays qu'il y a et qui sont beaucoup. Et dans cette soirée, on a choisi pour ce moment de débat un thème très facile, comme on voit, développement, durabilité et subsidiarité, rendre possible un avenir différent. Une chose vraiment très facile, mais c'est très bien d'en parler aujourd'hui, c'est très beau. Le jour de l'Ocean Day, on a fini les ressources de la planète aujourd'hui. On a gagné par rapport à l'année dernière 5 jours et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on les a gagnés parce que le Covid a contraint tous les pays, à s'arrêter. Mais cela aussi, c'est un bon point de réflexion et on peut en parler avec les intervenants que je vous présente avant de leur donner la parole. Giorgio Vittadini, le président de la Fondation pour la subsidiarité. Le président Zamani, président de l'Académie pontificale des sciences sociales, et le docteur Domenico Fanizza, administrateur pour l'Italie, dans les fonds monétaires internationaux avec d'autres pays, et le professeur Enrico Giovannini, qui est le porte-parole de l'Alliance italienne pour le développement durable. Je donnerai la parole à Giorgio Vittadini pour commencer en introduisant ce thème que tu as choisi. Nous avons 15 heures pour en parler. Oui, très brièvement. On pourrait parler en théorie, mais tout d'abord, le développement. Parce que le pari que nous avons fait dans ce meeting, en dialoguant notamment avec le professeur Giovannini et les autres, c'est de se demander si on peut parler de croissance, mais d'un développement durable. Voilà la bataille. Donc, la question, c'est avant tout, quel développement peut avoir l'Italie et le monde après ce moment? Y a-t-il un développement possible? Et deuxièmement, au professeur Giovannini, qui non seulement est le grand point de référence de la durabilité au niveau non seulement italien, mais international, mais qui fait partie aussi du comité Colao. Donc, il a posé les lignes directrices de ce que sera l'avenir de la durabilité. Et donc, il peut conjuguer l'idée de développement en se demandant où on peut aller en continuant à grandir, mais en tenant compte de la pandémie, donc de manière différente. Et le professeur Zamani, parce que il tient à ce terme de subsidiarité qui nous est cher aussi,
affrontés par de grands économistes comme lui, qui disent qu'une grande société ne peut pas former un marché, ensuite une communauté forme solidaire, où puissent se développer des forces. L'idée de subsidiarité comme il l'entend, c'est-à-dire pas le secteur tertiaire, mais comme un facteur fondamental de ce développement durable. Donc, dans cette actualité, j'aimerais apprendre aujourd'hui quelque chose de nouveau. Et ensuite, on a Domenico Fanizza qui peut nous aider à ouvrir le regard de manière internationale. On va commencer donc pour vous. Qu'est-ce qui se passe dans votre observatoire? Quelle perspective il y a, à votre avis? Je vous remercie beaucoup. Et je voudrais aussi remercier le professeur Vittadini de m'avoir invité à cet événement qui montre la vitalité de la société civile. C'est quelque chose de très important parce qu'il a un rôle dans la transition dont nous parlons. Je voudrais vous remercier de m'avoir permis de participer à un événement en présence. J'en avais assez de passer mes journées en webinar et donc je suis heureux d'être en présence. Quoi qu'il en soit, venons-en à notre sujet. Le message principal est que oui, nous pouvons le faire. Et ce qui est vrai, c'est que nous avons une incroyable occasion. La crise doit être vue comme une opportunité pour transformer le modèle de développement. Et ce n'est pas seulement parce que nous pensons que c'est un bon modèle, mais parce que c'est une nécessité. Ce n'est pas seulement quelque chose d'éthique, c'est très important, mais nous n'avons pas d'alternative. C'est un moment essentiel que nous ne devons pas perdre, gaspiller. Nous devons tout faire pour utiliser les immenses ressources que les pays avancés, dont les pays avancés disposent grâce à la politique monétaire expansive qui était imaginable il y a encore quelques années. La contrainte du bilan a sauté, on peut dépenser et il faut bien dépenser pour tenter d'accélérer la transition et surtout d'accélérer l'adoption de nouvelles technologies, ce qui signifie des technologies vertes. Alors, c'est un thème très important et souligné aussi en ouverture du meeting par le président Draghi. Bien dépenser et transformer cette crise dans une opportunité. Professeur Zamagni, en reprenant ce que Vittadini nous disait, cette crise, vous nous répétez toujours, ça ne doit pas toujours être le secteur tertiaire. Quelle voie de développement ouvre? Merci beaucoup à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent depuis de loin. Je suis vraiment content du fait que le meeting ait mis au centre cette triade, le développement, la durabilité, la subsidiarité. Ce sont trois mots d'un triangle magique. Il me plaît de rappeler que le mot durabilité a été cogné pour la première fois en 1973 par un studieux et allemand, Karl Wirth, le directeur de l'Agence des forêts. Et lui, pour la première fois, il a élaboré un modèle pour décider combien d'arbres devaient être abattus chaque année pour consentir la disponibilité de bois, et pour l'occasion, il a trouvé ce mot, donc durabilité. Et pendant les prochains 50 ans, ce mot a été aussi abandonné. Et on sait que la science économique, la science à laquelle j'appartiens, a beaucoup de responsabilités concernant cela. Comme de certaines interventions provenant de l'Angleterre,
ils ont déclaré que cette conscience économique basée sur l'idée que le développement est la même chose que la croissance. Mais c'est une erreur très grande. On ne peut pas se moquer des entreprises. Le développement, c'est autre chose. Le développement, c'est enlever les bilous, en latin, développement. Donc, enlever les développements. Donc, qui aime le développement aime la liberté. Qui n'aime pas la liberté ne se développe pas. Les animaux croissent, mais ce sont juste les animaux à se développer. Ils grandissent, mais ne se développent pas. Donc, la définition du développement est référée à la liberté. C'est pour cela que la subsidiarité est revenue à la mode maintenant. Mais la vérité historique va dite. Ce mot a été défini en 1200 par l'école franciscaine. On pense à Oxford, aux franciscains comme Bonaventura da Viareggio, qui enseignait à la Sorbonne de Paris philosophie. Et si on va prendre leurs écrits, ils forment le principe de subsidiarité. Et ils disent que pour faire aller de l'avant une société, une entreprise, il ne nécessite pas juste le marché, mais il faut vraiment le terme de communauté, une société organisée. Et c'est très intéressant qu'en écrivant comme Rajan, il a obtenu un succès avec son livre où on parle marché, État, communauté. Mais il faut se rappeler, au moins nous, les Italiens, que ce concept a été fondé en 1200, donc ça n'est pas avec Rajan. Rajan, il n'avait pas de connaissances, mais ils sont pleines. Mais c'est très intéressant qu'il y ait ce point. Mais il faut, à mon avis, après je me tais, il y a deux approches au thème de la subsidiarité. L'approche de l'utilisation et du développement humain intégral. Il faut décider de quel côté on se met. L'approche de l'utilisation résonne ainsi. On est allé de l'avant avec le modèle de la production idéale, donc idéologique. Il faut optimiser au niveau écologique. Donc la durabilité est vue comme élément du système vinculant. Donc, on doit prendre acte que les ressources environnementales sont en train de finir. On doit faire de notre mieux pour les économiser. Mais l'autre approche dit que la durabilité est pour l'homme, pour garantir sa plénitude, donc son humain. Et il me plaît reconnaître que là-bas aussi, il les dit ces choses, mais jamais on les reprend. Tout le monde utilise la dot aussi, mais on s'arrête toujours à l'approche de l'optimisation. Le pape dit au nombre 10, la durabilité est-elle un sens plein quand il assure la paix intérieure des personnes, afin de dire que la durabilité doit mettre en cause la dimension anthropologique, pas seulement la dimension écologique, économique et sociale, mais aussi la quatrième dimension, c'est-à-dire la dimension anthropologique. Et je me souhaite que, même dans ce pays, s'ouvre un débat de haut level, parce que le risque, c'est de reproposer la décroissance pas heureuse. Donc, il y a ce risque-là. C'est pour cela que reproposer ce modèle de développement humain intégral, c'est-à-dire que la quatrième dimension, celle de la joie de vivre, du bonheur, ne peut pas être associée par ces autres trois dimensions. Merci, professeur. Professeur Giovanni, avant de vous reposer la question qui Vitali me posait, cela me stimulait l'intervention de notre professeur Giovanni. Si déjà en 1200, on parlait de subsidiarité, en 1700, on parlait déjà de durabilité, et on est arrivé à ce point-là, à cette crise, peut-être quelque chose n'a pas marché. Cela a fonctionné au sens qu'en 1400, les États-Unis savaient qu'ils allaient gagner la guerre mondiale, et ils ont appelé les économistes
qui s'occupaient de comptabilité nationale. Ils ont été enfermés dans une pièce et ils ne les ont fait sortir qu'une fois qu'ils s'étaient mis d'accord sur comment calculer le PIB, le produit intérieur brut. Beaucoup de livres d'économie disent que Kuznets, le père du PIB, il ne fut même pas invité à la deuxième réunion parce qu'il a perdu dans cette confrontation. Les Américains ont choisi l'approche anglaise fondée sur la maximisation de la production. Autrement dit, un pays et un développement sont réels s'ils font grandir la production. Quel était le problème politique des États-Unis à ces années-là? C'était de montrer au communisme que le capitalisme était capable de produire davantage de choses. Exactement. Nous étions dans une situation où la croissance d'un pays apporte des bonnes choses. Bien entendu, la santé, l'éducation. Mais l'erreur de fond est celle-là. Donc, je veux commencer puisqu'il y a les représentants de deux organisations, le Fonds monétaire international, qui est l'un des cinq gérants des systèmes de comptes nationaux, et puis l'Académie pontificale. Pourquoi ne pas reculer les aiguilles de l'horloge et nous engager aujourd'hui à réécrire les comptes nationaux sur une idée de développement différente que nous connaissons bien mieux pour obtenir cette croissance continue, mais pas la croissance de la production matérielle, la logique du développement humain. C'est possible parce que nous l'avons déjà fait par le passé. On peut réécrire ces règles. Il faut refonder profondément le système et c'est le bon moment pour le faire. La troisième organisation qui manque ici, c'est l'Union européenne, qui est en train de choisir le développement durable comme paradigme. Et comme elle a été un autre des responsables des comptes nationaux, ma première proposition est de sortir d'ici en s'engageant dans cette direction. Donc, il faudrait revoir les comptes nationaux. Vous avez retourné cette proposition. Vitalini évoquait son rôle à l'intérieur de la commission Colao, que le gouvernement avait appelé à étudier les modalités, les justes modalités pour le départ à nouveau du pays. Oui, il est resté ce travail. Là-dedans, il y avait tous les mots-clés qu'on est en train de nous dénoncer et tout ce qui a écrit dans ce tableau. À quel point on est arrivé? Le document a été présenté, bien entendu, en identifiant une série de priorités. Je le rappelle brièvement parce que nous l'avons entendu aussi ces jours-ci au meeting par Gentiloni et Draghi. Trois points. La transition écologique, la digitalisation, et l'évolution sociale et pas seulement technologique et la lutte contre les inégalités. Voilà les trois mots-clés autour desquels ensuite les 100 propositions du comité Coléo les ont concrétisées. Je crois que ce sont encore les idées qui sont à la base du Next Generation EU, si je peux me permettre de dire, puisque vous avez un rôle important dans le monde de l'information, pourquoi est-ce que nous continuons à appeler quelque chose qui s'appelle Nouvelle Génération EU? Nous continuons à l'appeler Fonds de relance. Le Fonds de relance n'existe pas. Les pays doivent préparer un plan pour la reprise et la résilience. Mais cette question des nouvelles générations, nous ne parvenons pas à nous la mettre en tête, même dans le langage courant. Ces réponses ont été données au gouvernement, bien entendu. Maintenant, le gouvernement doit disposer ce plan pour la reprise et la relance. Et nous verrons ce qu'il proposera. Récemment, j'ai écrit que peut-être qu'au lieu d'assembler des simples projets desquels peut dériver un cadre, on devrait peut-être décider ce que sera le pays dans 5 ou 10 ans et à partir de là, décliner les projets. Donc, j'ai écrit aussi que si le gouvernement veut prendre quelques mois davantage, puisque
mi-octobre est le premier jour pour présenter le projet. Le dernier jour, c'est en 2021. Donc, on peut peut-être prendre ce temps pour impliquer aussi les autres composantes de la société, pour définir ce point pour l'avenir. Merci, Dr. Samitha. Au moment où il faut reconstruire, repartir, réécrire, il y a des criticités. Quelles sont les principales criticités, non seulement italiennes, que vous voyez au niveau international? Alors, pour donner un peu de souffle international, j'aimerais partir d'un élément important. Ce que je disais avant, c'est-à-dire que la contrainte du bilan a sauté pour les pays avancés, c'est tout à fait vrai et c'est très important, du moins pour l'instant, il n'a pas sauté pour toujours. Mais ça n'est pas le cas partout. Il y a des pays, principalement des pays à faible rendement et aussi quelques pays émergents importants qui n'ont pas le luxe, comme nous, les États-Unis et la Grande-Bretagne, de pouvoir imprimer de la monnaie pour assainir les déficits. Ces pays qui, dans les 15 dernières années, ont vécu une réduction de leur pauvreté très importante, et il ne faut pas l'oublier, aujourd'hui, avec la crise, ils vont très probablement voir cette tendance s'inverser. Et c'est une terrible tragédie. Une terrible tragédie, sans aucun doute. Mais ce n'est pas seulement un impératif éthique de se rappeler de ces pays. C'est quelque chose de très important parce que le Covid sera combattu globalement et le virus n'a pas de frontières. Et puis, ces marchés représentent d'importants marchés pour la croissance de l'économie européenne et en particulier l'économie italienne. Pour le développement, j'utilisais le terme croissance. Attention à votre voisin. C'est important, il n'y a pas de solution simple ici. Le Fonds monétaire a fait des choses importantes pour augmenter les ressources financières de ces pays. Le G20 a suspendu le paiement de la dette pour ces pays. Il y a eu également beaucoup de voix qui ont appelé à l'effacement complet de la dette. C'est quelque chose de possible, mais on ne peut pas le faire si l'on n'implique pas le secteur privé, parce qu'autrement, cela devient un transfert de ressources nettes des donateurs, les pays qui effacent la dette, aux créanciers privés. Et cela, c'est un grand secteur de réflexion. Comment impliquer le secteur privé pour résoudre la situation de la dette? Et, par exemple, le G20 discutera sous la présidence italienne l'année prochaine de ce sujet. C'est très important. Vitaline, vous avez qu'activer sur cela. Cette implication des privés, il me semble un point fort. On en parlait avec Stefania Brancaccio, notre invité de Rimini. Professeur Zamani, le sujet est, ça va la théorie, mais la théorie va, il faut la mettre en pratique. Donc, les entrepreneurs doivent se mettre dans cette position où il faut avoir du développement, de la durabilité, de la subsidiarité. À propos de l'application des privés, on ne peut pas se rappeler d'un récent accord en Argentine. L'Argentine est en train de risquer une faillite, le troisième faillite dans l'arc de 20 ans. Il a été arrêté à la dernière minute parce que des pays ont accepté de négocier avec le gouvernement argentin une restructuration de la dette. Le point est bien cela. Je me rappellerai toujours, pour l'Ancien Testament, pour la culture hébraïque, il y a toujours un effacement de la dette. Parce qu'ils avaient compris que quand
une catégorie de personnes ont des dettes, c'est inutile de prétendre quelque chose parce qu'on ne peut pas obtenir quelque chose dans le temps pour ces personnes. Il y a une culture florissante sur cela. Il y a qui dit que la culture hébraïque n'aurait pas consenti le développement du capitalisme, parce que ça voudrait dire que si à chaque 50 ans, le jubilé redistribue ses propriétés, les processus de capitalisme ne sont pas marché. Mais à partir de ce processus, il faut faire un enseignement. Il ne faut pas insister, c'est inutile. Il faut opérer pour éviter que les dettes de cette entité se créent. Mais une fois qu'on les a créées, l'alternative ne peut pas être celle de continuer à tirer la corde. Il faudrait être réaliste et effacer la dette. Et les privés ont un espace propre. L'expérience de l'Argentine du mois dernier, ça doit nous apprendre. Parce que quand on veut, on peut. Il me plaît de rappeler toujours l'accord d'il y a 14 jours, les 14 directeurs, administrateurs, d'autres entreprises américaines ont signé un pacte de 14 Purpose First Economy, une économie qui met à la première place le purpose, c'est-à-dire le but dernier, l'objectif dernier. Le purpose n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est le goal. Donc, il faut dire que le but économique soit finalisé au profit pas au profit de bref terme, mais au profit de long terme. Donc, les temps sont matures. Je suis de l'idée qu'il faut commencer, même pour avoir l'invitation du professeur Giovanni. Il n'est pas vrai. Il est vrai qu'il y aurait aussi toujours des groupes qui sont toujours avec des dettes. Voilà. Mais je vois qu'il y aura une nouvelle saison qui est commencée. C'est sûr, les difficultés seront là, mais il vient à manquer la capacité de faire des cultures, de créer des cultures. Il faut enseigner ces choses. Les business schools sont un désastre parce qu'ils n'enseignent pas ces choses. Ils enseignent un paradigme obsolète. Comment Colin Clark, il a écrit un essai sur cela, c'est-à-dire que les business schools sont restées à l'arrière. Elles prennent un paradigme théorique qui ne marche plus. Il est clair donc que les sollicitations viennent d'une nouvelle façon de faire l'entrepreneuriat. Business Round Table. Prochainement, il y aura une autre prise de décision sur la même direction. Je me souhaite que les temps soient matures pour essayer l'assaut au ciel. Professeur Giovannini, sur la vague de ce raisonnement qui faisait le professeur Giovanni, il signe, il s'engage, mais il est vrai que l'entrepreneur, ils ont entrepris une voie du business éthique, du business durable pour le développement collectif. Oui, en partie, c'est exact. On ne peut pas dire que c'est généralisé. Je reviens un instant sur les données italiennes qui ont été formulées récemment. Un commentaire par rapport à ce que disait le professeur Zamani. Cela fait des années, dans notre institution AFSIS, que nous demandons aux forces politiques d'introduire dans la Constitution le principe de développement durable, qui est un principe de justice entre les jeunes générations. Certains pays l'ont fait, en Europe, la Norvège, la Belgique, la Suisse, la France. Ce n'est pas un hasard si, après avoir inséré ce principe en France et en Belgique, on a changé l'article du Code civil, disons, qui régule le but de l'entreprise. En Italie, nous avons cette logique, c'est-à-dire que l'entreprise est coopérative. Donc, un transfert à long terme du capital accumulé est l'une des caractéristiques de l'entreprise coopérative. Dans ces deux pays, la France et la Belgique, la règle a changé et donc
le focus sur le profit à court terme, qui est le fruit du capitalisme des 40 dernières années et pas du capitalisme précédent, a changé. Voilà là où la législation peut changer. En ce qui concerne l'Italie, les données montrent que entre les entreprises qui réfléchissent à repartir, et c'est une enquête qui a été faite au mois de mai, donc encore au cœur de la crise, 40% des entreprises qui avaient choisi la durabilité avant de la crise étaient orientées au nouveau départ, tandis que 20% des entreprises qui n'avaient pas choisi la durabilité étaient prêtes à repartir. Donc, en d'autres termes, la crise a touché de la même manière ceux qui avaient choisi la durabilité et ceux qui ne l'avaient pas choisi, mais ceux qui avaient choisi la durabilité sont beaucoup plus prêts à repartir. C'est un signal très important. C'est une enquête qui n'a été faite malheureusement qu'en Italie. Il faudrait la refaire à octobre, lorsque, on l'espère, la situation sera plus claire. Mais cela me semble être un élément très important pour voir comment le développement et la durabilité peuvent être mis dans une autre dynamique, une autre perspective. Je reste encore sur vous parce que le développement durable a comme feu l'agenda 2030 pour l'ONU. Mais le Covid a empiré la situation. Quelles sont les complexités ? La situation a changé de manière dramatique et le rapport fait par les Nations Unies en juillet l'indique clairement. Nous avons estimé pour l'Italie des dommages encore pires pour ce qui concerne la pauvreté. La Banque mondiale a estimé ces jours-ci une augmentation très élevée de la pauvreté. La santé a bien entendu empiré. L'éducation, le quatrième objectif, a empiré dans le monde entier parce que les problèmes que nous avons en Italie se retrouvent un peu partout. Les inégalités entre les genres, parce que les femmes payent un prix supérieur par rapport aux hommes. Bien entendu, le huitième but, c'est-à-dire le chômage et le travail. Et puis, la rentabilité des entreprises. La bonne nouvelle, c'est que l'Europe, on y reviendra peut-être un peu plus loin, étant donné qu'elle a incorporé l'agenda 2030 de l'ONU comme cadre de référence de ses politiques, est en train de décider d'investir les milliards qui vont arriver en Italie autour des trois termes que nous avons utilisés, la transition écologique, la transition digitale, la lutte contre les inégalités et la résilience économique et sociale, qui a beaucoup à voir avec la liberté et le rôle des communautés. Parce que toutes les études le démontrent, il suffit de regarder comment nos territoires en Italie ont réagi aux différents tremblements de terre qui se sont produits. La communauté fait la différence face aux crises pour repartir de manière différente. Professeur Fanny, ça pourrait être une clé, la durabilité, pour repartir dans notre pays en pensant à une économie plus attentive dont vous parliez au début. C'est quelque chose qui est vraiment... C'est vraiment passé. Luther Terry, aux années 60, aux États-Unis, le responsable de la santé publique, a fait deux projets de recherche entre santé et fumée. En 1964, ils ont été publiés. Et la lutte pour la fumée est importante. Il lance une devise. Smoking is a stupid. Fumer est stupide. Et donc, comme le bureau central américain disait, du 50%, les fumeurs masculins sont descendus au 17%. Donc, il faut penser au message. Les impositions, soit de nature fiscale, soit d'autre nature, ont un effet. Il a été suffisant d'agir au niveau culturel, donc communautaire, pour faire changer de cap au comportement de ces personnes. Si on faisait une opération de ce genre et on commençait à dire faire de la pollution, c'est stupide,
ça pourrait déterminer un comportement, des comportements de personnes pour aller de l'autre côté, donc de la direction désirée. Donc, dans ce sens, l'expérience italienne pour ce Covid, on va voir aussi que dans pas longtemps, la littérature internationale va le mettre dans ses œuvres. L'Italie, pourquoi les Italiens se sont mieux comportés que les autres peuples? Non pas parce qu'ils avaient peur des restrictions, des sanctions, mais parce qu'ils avaient intériorisé les normes de comportement. Et quand les personnes intériorisent les normes de comportement, se comportent de manière adéquate. Voilà, ça c'est la manière la plus concrète pour faire comprendre l'importance de la communauté, de la culture, que seulement les communautés qui vivent dans un territoire sont capables de respecter. Si on commence à penser aux mesures de type capitalistique, faites ainsi autrement que tu auras ça. Donc, on remplira les prisons et on n'aura pas l'effet qu'on désire. Voilà, ça c'est une mutation culturelle fondamentale. Qui l'avait anticipé, c'était Giacinto Dragonetti, qui était un élève de Dragonetti. Il a fait un livre en 1980 qui s'appelle « Des vertus et des qualités ». Ce livre a été traduit en trois langues et la déclaration d'indépendance de Philadelphie en 1776 cite Dragonetti. Il le cite en anglais parce qu'il a été traduit. Et il dit, si vous voulez que les choses marchent, c'est inutile d'insister avec les impositions, avec les cultures de la substitution. Essayez de faire en sorte que les prix soient donnés aux comportements qui sont bons. Parce que les vertus sont plus contagieux que les vices. Dragonetti disait ça et il s'est vraiment inspiré. On devrait faire une opération de ce genre. Parce, voilà, pour répondre à la question de notre modératrice, la communauté est importante dans ce sens, mais pas comme foule. C'est la communauté qui est capable d'exprimer une culture. Il n'y a pas d'autres interventions des directions qui peuvent donner d'autres résultats très bons. Il pourrait y avoir d'autres résultats, mais sûrement ils vont briser ce capital. Et déjà d'autres studios l'ont mis en évidence. Nous, les Italiens, nous avons un avantage comparé. Parce que notre culture privilège le commun par rapport au public. Notre culture liée à la culture catholique méditerranée privilège le commun. Donc pourquoi on n'a pas utilisé cette ressource? On ne doit pas copier les autres. Elles ont leur histoire, les sons qu'ils la portent à l'avant. Nous, on a cette histoire. Comme il s'est passé en partie dans les premières semaines du Covid, on doit suivre le bon. Donc, il y a beaucoup de bons. Mais nous, on l'a vendu à prix bas. Léopard, il avait déjà dit, les Italiens sont faits ainsi. Ils sont très bons, mais ils ne savent pas valoriser ses propres racines. Parfois, ils sont honte de leur identité, de leur tradition. Dragonetti disait qu'il faut valoriser le bien. C'est évident, à partir de ce qu'ont dit nos interlocuteurs, que le PIB ne suffit pas. Il faut insérer d'autres éléments. Mais pour paraphraser Draghi, la dette saine et la dette mauvaise. On peut utiliser aussi cela pour éviter de travailler en quelque sorte. Qu'est-ce qui est un changement vertueux et qu'est-ce qui est au contraire de l'assistanat social? Parce que je dis toujours, on en a après l'Europe et après les autoroutes polonaises ont été construites avec les fonds européens que nous n'utilisons pas. En quoi consiste le changement dans le PIL et qu'est-ce qui est assistentialisme ou je m'en foutisme par rapport au bon changement?
J'éprouve beaucoup de sympathie avec le fait que les changements sont faits par la société civile. Cela me plaît beaucoup. C'est pour cela que je suis ici. Mais en même temps, je suis d'accord sur le fait que l'environnement culturel est utile. Mais nous n'en sommes pas encore là. Il y a des politiques qui vont exactement dans la direction opposée. L'autre jour, par hasard, je regardais une étude récente du ministère. Donc, c'est un organisme du gouvernemental. Il y a 44 milliards par an d'aides, de subventions, dont le ministère de l'Environnement a calculé que 20 milliards de ces subventions sont mauvais pour l'environnement. Donc, la première chose, c'est partir de là. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que de l'autre côté, il y a encore 14 milliards, beaucoup moins que les 20 milliards, qui sont à faveur de l'environnement. Alors, que faire? D'un côté, on a un gaspillage de ressources incroyable. Alors là, je crois qu'il faut être très concret. C'est peut-être parce que je fais un métier concret en parlant de politique économique. C'est là qu'il faut se concentrer. Je crois que les gouvernements et les politiques ne peuvent pas changer le monde. Les particuliers le font, le secteur privé, la société civile. Mais ils peuvent faire des dégâts. Et alors là, il faut faire attention. Endiguer les gaspillages, c'est un exemple de politique et de gaspillage d'environnement, d'argent pour l'environnement. Un exemple, par exemple, les subventions sur tout le carburant diesel. Les subventions sur les navires qui les utilisent, il y en a énormément. Et on a même donné des subventions en faveur des ressources renouvelables. Et cela n'a pas de sens. Il faut décider ce qu'on fait. Et je crois que le moment est venu de le faire. Je crois qu'il y a la volonté politique. Je crois qu'elle sera nécessairement là parce que du moment que l'Europe dit que la transition économique, la digitalisation, etc. sont des conditions préalables. Si j'étais le premier ministre hollandais, je dirais, excusez-moi, commencez par effacer ces 20 milliards. Et ensuite, bien entendu, on va vous donner encore des fonds. Essayez de penser un instant sur ces 20 milliards. Nous avons proposé depuis longtemps avec notre organisation un abattement fiscal de 10 milliards par an. 5 milliards seraient placés pour un plan extraordinaire pour le chômage, contre le chômage des jeunes. L'Italie a déjà une loi qui dit que avant 2023, ces 10 milliards doivent être mis à zéro. Excusez-moi, 2025. Quelle meilleure occasion avons-nous d'accélérer la transition? Deuxième élément très concret, comme le disait Vitadini tout à l'heure, l'évaluation des projets européens, comme je l'ai dit, devra être soumise à cette vérification de la durabilité. Nous avons une grande rapidité des personnes, mais nous n'avons pratiquement pas de grande vitesse pour le transport des biens. Et les tunnels qui ont été construits sont trop petits pour faire passer des conteneurs, en particulier dans certaines zones du pays. Alors, il faut décider avec ces fonds, est-ce que nous voulons faire des ponts pour faire passer des camions? Est-ce que nous voulons restructurer notre système ferroviaire aussi bien pour les personnes que pour la marchandise? Et j'ai l'impression qu'avec les décisions qui ont été prises en Europe, l'Europe pourrait nous dire, mais excusez-moi, le tunnel, le pont de Messina, qu'est-ce qu'il a à voir avec cela? Du moment que la décision a été prise par les gouvernements et donc le Conseil européen et que les critères sont écrits noir sur blanc, j'espère que l'Italie sera capable non seulement de présenter des projets,
mais aussi par cohérence, de revoir ses propres fonds pour les orienter dans la même direction. Merci, professeur. Les grands moyens de cette édition spéciale nous consentent de recueillir quelques questions qui arrivent à travers le web. Il y a une question pour le professeur Zaman. Si un spectateur demande si c'est possible d'approfondir les dimensions de la durabilité comme indiqué par Laudato Si. Alors, comme les chercheurs en économie le savent, il y a trois catégories de biens, les biens privés, les biens publics et les biens communs. Tandis que nous savons presque tout sur le plan théorique et pratique des biens privés et des biens publics et des règles de gouvernement, nous ne savons rien sur la manière de gouverner, c'est-à-dire gérer de façon efficace les biens communs. Ceux qui disent le contraire sont des menteurs, parce que je lance le défi de trouver un modèle économique sur les biens communs. Le seul modèle a été produit par Elinor Ostrom, qui n'était pas un économiste. Il a eu le prix Nobel d'économie, mais c'était une scientifique. L'année suivante, malheureusement, elle a disparu, elle est morte. Voilà le point. Aujourd'hui, nous savons que la composante la plus importante dans la production générale des biens, en termes non absolus mais relatifs, c'est celle des biens communs. Parce que l'environnement est un bien commun, ce n'est ni un bien privé ni un bien public. Donc, l'encyclique Laudato Si, dans les premiers paragraphes, dit qu'il faut avoir le courage de déclarer dans tous les textes de loi que l'environnement est un bien commun global, tandis que beaucoup disent que oui, c'est un bien privé, donc on va mettre des impôts, des taxes, etc. Cela n'a aucun fondement scientifique, à moins que l'on croie au modèle d'équilibre général, mais alors il faut le dire. Et l'environnement n'est pas non plus un bien public, c'est un bien commun, comme la connaissance est un bien commun, et beaucoup d'autres. Donc, le point important, c'est que l'invitation lancée par l'encyclique Laudato Si, c'est de dire il faut catégoriser et traduire en pratique, trouver les manières de gérer un bien commun qui ne soit ni privé ni public. Tant que nous n'y arriverons pas, et c'est possible d'y arriver parce que nous avons déjà, sur le plan pratique, c'est ce qui est beau, nous avons déjà cela sur le plan pratique, mais il n'y a pas de reconnaissance sur le plan théorique ou politique. Il faut avoir le courage de le faire, parce que le jour où on affirmera cela, on peut être sûr qu'en quelques mois, nous avons les intelligences, nous avons les personnes, et nous avons des personnes qui l'ont expérimenté sur leur propre peau. L'autre question, le pape en a parlé il y a 3 jours, c'est celle de la question des vaccins. Ce Covid a généré de nouvelles recherches. Le Covid face à un virus comme le coronavirus doit être breveté. Moi, je dis non, parce que ce vaccin, c'est un bien commun. Et les biens communs ne doivent pas être brevetés. De même que Schumpeter, un grand économiste au début du XXe siècle, l'avait dit. Et on l'oublie. Alors, on est encore là à discuter pour savoir qui va trouver le premier le vaccin pour avoir la plus grande part de marché, le plus grand profit, etc. Et on peut le faire avec beaucoup d'autres exemples. Alors, quelle est l'invitation que fait le pape dans Laudato Si? Ce sont des questions sérieuses et qui sont résolvables, mais il faut changer notre forme de pensée, parce que si nous prétendons encore que pouvoir affronter ces thèmes selon le paradigme de l'homo economicus, nous nous berçons d'illusions. L'homo economicus est une catastrophe aujourd'hui sur tous les points de vue. Et tout au plus, il peut coller ensemble des objets, mais il ne peut pas résoudre les problèmes. La réciprocité, comme vous le savez, est le principe fondateur de la subsidiarité. Essayez de penser qu'est-ce que la subsidiarité, sinon une manière très pratique d'appliquer la réciprocité. Je fais quelque chose pour toi et sur la base de l'attente que pas à mon égard, mais à l'égard d'autres personnes, tu feras quelque chose de ce genre ou quelque chose de semblable, etc. Merci, professeur. Je vous interromps parce que on est un
fermeture de rencontre. Giovanni, vous voulez ajouter quelque chose à propos de ça? Oui, tout à fait. Nous allons ouvrir le Festival du développement durable le 22 septembre et nous aurons un théologien qui va montrer comment, une fois qu'on introduit ces systèmes, ces principes dans le système juridique, le concept aussi de propriété privée changera radicalement. L'article 42 de la Constitution italienne permet déjà à l'État d'exproprier un bien du moment que la personne ne l'utilise pas pour le bien collectif, avec le respect bien entendu des finalités privées. Je le dis parce que introduire ces principes change ou pourrait changer des manières de penser que l'on considère inéliminables ou du moins non modifiables. Merci, professeur. Dans Giovita Lini, on peut essayer d'en tirer les conclusions. Oui, je vais être un peu polémique. Entre hier et aujourd'hui, hier j'ai participé à ce débat sur les sommets politiques italiens et aujourd'hui j'ai entendu qu'il y a une alliance implicite entre la société civile et la pensée des gens et les institutions internationales. Les institutions internationales ont poussé au développement durable. Les gens ont soutenu cela. Hier, je n'avais pas la même impression. Alors, je me dis qu'il faut peut-être faire un sandwich, contraindre la politique italienne dans les contraintes internationales et la contrainte de la société civile pour l'obliger à cela. Parce que parfois, on critique l'Europe. Mais le problème, c'est nous. Parce que je pense que dans la polémique des poulets de Renzo, on perd l'idée que le Fonds monétaire international, qui autrefois était considéré comme le vilain méchant loup, aujourd'hui nous soutient. Donc, obligeons nos politiques à comprendre que le problème n'est pas de pleurer sur l'Europe, mais de choisir un modèle de développement vers lequel les gens poussent. Si cela arrive des deux côtés, on va peut-être obtenir un résultat qui ira dans la voie de la durabilité et la subsidiarité. Et je termine, la subsidiarité ne dépend pas de l'État. Et je l'ai dit plusieurs fois à ce meeting dans les interviews. Quand on part du bas, on a besoin d'un guide. S'il n'y a pas de guide, on se perd. Donc la subsidiarité, comme le disait Fanitsa, et l'État doivent aller de pair. Ce qui ne va pas de pair, c'est le populisme qui pense qu'il va pouvoir jouer sans perspective. Merci à Giorgio Vitalini, merci à vous qui nous avez écoutés, merci à nos invités qui nous ont offert beaucoup de points de réflexion, Domenico Fanitas, Stefano Zamani et Enrico Giovannini. Les meetings poursuivent à 19h, un autre sujet d'actualité, on parlera d'école. Les écoles vont repartir. Merci à tous pour avoir été avec nous et bonne soirée. Generali, partner di vita. In Eni oggi coltiviamo delle microalghe che catturano anidride carbonica. Ma non basta. Abbiamo bisogno di Lorenzo, che riutilizza gli oggetti per creare qualcosa di nuovo. Eni più Lorenzo è meglio di Eni. Insieme abbiamo un'altra energia.
Generali, partner di vita. In Eni oggi coltiviamo delle microalghe che catturano anidride carbonica. Ma non basta. Abbiamo bisogno di Lorenzo, che riutilizza gli oggetti per creare qualcosa di nuovo. Eni più Lorenzo è meglio di Eni. Insieme abbiamo un'altra energia.